Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le mercredi 25 et Chacha va arriver aujourd'hui fin d'après-midi. Donc je vous explique un petit peu comment va se passer cette vidéo parce que ça va être assez drôle. En gros, Chacha va venir à la maison dormir 5 jours et on organise une rencontre de Lyon le samedi 28, donc au parc Henri Matisse à Lille. En fait, si vous voulez, donc elle vient dormir à la maison et c'est la première fois qu'elle va voir Patate, qui est sa petite BJD qu'elle a fait envoyer à la maison parce qu'elle avait peur de ne pas la recevoir assez vite et pour que je puisse aussi également lui faire des petits vêtements. Alors là d'où vous allez peut-être comprendre, en gros elle possède Choco, ma BJD qui va bientôt arriver, dont vous allez découvrir dans cette vidéo aussi également puisqu'on va faire un déballage à deux. Sauf que je vais piéger Chacha et en gros je vais emballer une autre doll que j'ai créée moi-même, une mocheté, bah, elle s'appelle mocheté en soi. Et en fait je vais lui faire déballer cette doll en lui faisant croire en fait que c'est sa doll et quand elle va la déballer elle va découvrir en fait que c'est mocheté. Et sa doll en fait elle est dans un autre pochon emballé sur la petite table là, donc elle ne sait absolument pas ce qui va se tramer. Et c'est ça qui est drôle, c'est que je vais lui faire déballer une doll qu'elle ne possède pas, enfin qu'elle ne sait même pas, donc voilà. Ça va être assez drôle, j'ai hâte de vous poster cette vidéo parce que vous allez voir la réaction de Chacha. Elle ne sait absolument rien, vous vous en doutez, c'est une surprise. Je l'annonce déjà, mais ça c'est bien, je peux prendre une photo. Salut, ça va? Ah, ma coupe au bol de... J'ai des cheveux là. Oh, on est de travers là-bas. Regarde, on n'aime pas toi. Non, j'avoue que... Bah, oui, mais le problème c'est que... Bon, je lance, hein. Oh là là, tu fais la chouette. Je veux que tu... Oh là là. Oh, ça y est, elle est... Oh, putain. Ah, attention. Attention. Ah, ouh, ah, ouh, ah, j'étais tout fort. Bon, alors, du coup, j'ai lancé une vidéo sur YouTube. Donc, qui filme tout seul, je ferai les montages et tout ça. Coucou tout le monde. Alors, pour YouTube, du coup, je vous présente Chacha. Pour Instagram, je ne la présente plus, hein. Voilà, on la connaît, hein. On va attendre qu'il y ait... Coucou Anaïs. On voit vos commentaires, mais de loin, vraiment qu'on se mette ainsi pour voir. je lui fais les messages. Hein, parce que... Alors, au pire, on commence, c'est pas grave, c'est à personne. Pour moi, c'est. On fait une explication de ce qu'on va faire avant, si peut-être que le temps que les gens reviennent. Ouais, y'a pas de soucis. Coucou Mayra, je te laisse faire une explication. Bon, comme beaucoup le savent, j'ai envoyé beaucoup de colis chez Mathilde, dont une BJD que vous allez voir dans l'ouverture, donc là, on va aller tout ça. J'ai été chercher la sienne, donc elle va ouvrir sa BJD que j'ai emballée. Regardez comme c'est beau. Non, mais vous montrez le smiley que j'ai sur le ballon. Regardez comme il est beau. J'ai emballé tout le colis. Elle a tout emballé, quoi. Elle a fait le papier cadeau de mon anniversaire, mon non-anniversaire. Oui, parce que c'est pas ton anniversaire. Voilà. À toi-même. Regardez. Non-anniversaire. Ouais, hashtag de celle qui emballe. Coucou Angèle. Coucou. C'est l'heure de manger aussi. Ouais, on a bien mangé. On est belle. On vient de finir, voilà. Bon, bah du coup, on va faire Chacha. Regardez, c'est là. Je sais. Bah là. La sortie des sweets. Allez. Va là-bas. C'est bon, le chien, mais là, je suis pas, les gars. Tu veux rouler des pelles? Oh, doucement. Voilà. Oh là, tu veux. Allez, donne à maman le contact. Donne maman. Ouais, voilà, bonne année. Voilà, c'est le 15 juin, mais du coup, on le fait un peu en avance. C'est comme c'est un bon anniversaire. C'est ça, voilà. Et moi, c'est un non anniversaire, un peu loin. Oui, c'est une demi-année, là. Ah, toi, c'est. Voilà. Je peux même pas la moitié de l'année. Alors, bah, du coup, on va aller. Je m'aménage comme ça. Ah, bah, on fait pas en même temps. Je sais pas, comme tu veux. Soit on fait en même temps, soit. Soit tu. C'est n'importe. On vous en fait quoi. On va demander, parce que comme ça, au moins. Genre, Mathilde, comme je continue, ou on fait tout en même temps. On va voir si vous savez suivre. Moi, je dirais d'abord Chacha, moi. D'abord, peut-être. Bon, c'est vrai. Vous vous souvenez, tu l'as eu hier soir? Vous vous souvenez, tu l'as eu hier soir ou pas? Ça, t'as caché que j'ai eu. Je sais, y'a pas patate de doigts, mais j'en si, il est lourd. Coucou Lina. Salut Echo. Charlene. C'est pas grave. On en voudra pas. Alors, une première, c'est un voté. Oui. Alors, elle est venue de cette petite boîte que Bella a déjà. Oh oui, qu'elle a déjà poilu. Hein. Ça, c'est. Patate en première. Oui, je suis d'accord avec vous. Je sens que vous avez traficoté un truc derrière mon dos. Et moi je dis oui en plus. Tu vois pourquoi je sens que ma patate elle est pas là, vous m'avez fait du mal. J'ai pas la tête. Tantôt. On voit pas bien. Ah mais oui, mais je saurais pas mettre. Attendez, de toute façon je vais montrer. Elle va montrer. Je suis sûre qu'elle a fait une couillonnade là-dedans, donc je vais attendre. C'est trop gros pour. Je me souviens de. Alors, patate est venue avec une wig. Très bizarre là-haut. Ouais, c'est ouais. Drôle, la matière. La matière, oui. C'est pas je la matière. On dirait du riz. Oh mon dieu. Mais la texture est. C'est de la laine, c'est de la fion, ouais. Mais par contre, t'as vu, on dirait du riz soufflé, les gars. Je sais pas si vous allez voir, regardez. Pour YouTube ici. On dirait du riz soufflé. Oh, c'est rien si on l'a vu un peu, c'est pas grave. Ouais. C'est dans la vidéo que c'est plus. Ah ouais. Du coup,
J'ai sa wig. Petite wig. Oui, qui va être revendue parce que je ne compte pas la garder. Elle est venue avec... ça, c'est... Ah oui, il y avait le petit mot, je te l'avais laissé aussi. Elle a des petites oreilles avec des petits points et des cœurs. Donc c'est des petites oreilles aimantées pour du coup ma petite BJD. Salut Clo. Coucou Clo. Que je lui mettrai, mais comment on verra. Voilà. Il y a son certificat d'authenticité. Donc c'est une petite liste de chez Billy Toon. Je pense que le certificat du coup il est à l'envers de la vidéo. Et j'ai un petit mot de Hello. Donc ça c'est privé. Oui. Bon, privé n'est pas tant que ça. Elle est venue avec l'œil qu'elle portait plus un deuxième œil. Donc c'est un œil, il fait 5 cm. C'est ça hein? Il me semble que c'est un œil de 5 cm. Si je me trompe pas. Je sais pas pourquoi elles sont toutes mortes de rire, donc à mon avis. Elle m'a fait. Je sais qu'il y a une couille dedans. Donc elle m'avait mis des petits stickers. Ouais, les yeux ils sont gros. Hein. Ouais. Enfin, l'œil. Alors, du coup, elle était venue avec une espèce de short salopette. Ouais, bon. C'est le genre de short salopette bleu. Et d'un haut robe un peu comme ça. Parce qu'elle est vraiment une petite mamie. Moi j'aime pas, de toute façon ça sera revendu. Donc c'est quelqu'un de Jelly Toon. Sachez que j'aurai deux yeux et une tenue. Donc je vais ouvrir ma doll. Me doutant qu'il y a une connerie derrière. S'il te plaît, non, par contre, je veux juste une chose. Prends-moi que c'est pas Astro Sarko. Juste ça. Non, c'est pas moi qui l'ai Astro Sarko. Ah, ça va, j'ai eu peur parce que vraiment, la seule doll dégueulasse que je m'en veux, c'est Astro Sarko. Non, c'est pas Astro Sarko. Par contre, ça a pas l'air d'une patate, une patate. Ça, ça a des pieds et tout ça. Je sais que c'est pas patate. C'est rigolo. Mais ouais, je me doute que t'as une connerie dedans. Bah ouais, mais tout aussi que t'es en douce. Mais ouais, il y a une connerie, hein. C'est une doll, je sais pas quoi. Hein. Ça, je suis sûre, c'est la face test avec le corps fou. Non, je sais ce que c'est. Je sais, j'ai deviné. C'est creepy, creepy ça. Je suis sûre, c'est creepy. Oh putain! J'avais oublié qu'il y avait une autre dame encore plus. Encore plus laide! Celle-là elle est laide, elle est laide! Il faut vraiment que vous la voyez celle-là! Ah oui, oui, je l'ai terminée hier! Ah tu vas voir, elle est horrible! Mais patate est bien là, ne t'inquiète pas! Pas ouais, là-dedans, mais elle est bien là! Elle est bien là, ouais. C'est creepy! Oui! Elle a tout de suite deviné, hein. Elle l'a senti, hein. Ouais, non, elle a vraiment palpé. J'ai palpé, j'ai fait avec un corps, j'ai fait le seul corps qui restait à part le pur démo que tu revends à qui d'ailleurs, je sais plus. À Doll Collector. Ouais. Mais je pense que j'aurais dû l'emballer plus, peut-être pour frôler plus une patate. C'est pas pour ça que tu m'as dit il faut des ciseaux. Ah ouais, peut-être aussi. Non, tu peux tout arracher, hein, de toute façon, ouais, même si ça la met en dessous, on s'en fout. Ouais, ouais, ouais. Oh non, elle est laide. Elle est laide. Ouais, mais faut pas appuyer. Pas pour autant. Tu l'as fait. Non, je l'avais déjà. Oh. Bah, c'était lui que j'avais fait pour lire. Oh, ça tombe, il y a le make-up, il a collé sur le papier. Je crois que les gars, je sais pas si vous voyez, mais elle fait vraiment peur en dessous. Oh là là, elle fait déjà flipper comme ça, la peau. C'est grave. Maquiller, il faut encore plus. Vous voyez les animaux qui sont handicapés ou les trucs fossiles? J'ai l'impression que c'est ça, je suis en train de dire. Un fossile un peu. Une momie. C'est une momie. En plus avec sa wig, moi je trouve qu'elle fait encore plus flipper. Allez, comme par hasard, c'est la chouquette dessus, j'arrive pas à tirer. Oh, tu peux tirer. Regarde ses yeux, ça fait encore plus flipper. C'est super. Ah, elle est laide. Oh, en la déballant, c'est encore plus laid. Oh putain, je vais tout balancer. Elle est vraiment laide. Oh putain. Elle est hideuse. Elle est encore plus laide qu'hier, il me semble. Hier, elle était. Elle a craqué, je crois, de misère. Oh, elle a craqué. Elle est devenue encore plus laide. Mais elle est. Non, j'ai pas encore ouvert. Les gars, elle est immonde. Non, mais faut voir. Oh, elle est... oh bah là, elle est encore plus laide. Hein. Elle est trop belle, ta patate. Ouais, elle est belle. Hein. Ah, patate, c'est joli, hein. Ouais, elle a acheté un œil pour patate. Non, patate, je l'ai qu'à mon là. T'as même pas remarqué en plus. C'est trop drôle. Regarde, je l'ai emballé dans une petite pochette et tout. En fait, patate, je l'ai mis emballée dans un beau petit papier, enfin dans un papier, dans un pilou-pilou, et je l'ai mis dans une pochette et je l'avais mis là au départ sur mon meuble. Et en fait, j'ai transféré patate et je l'ai mis dans la poussette. Oh mon dieu. Elle fera encore plus flipper avec cette œil-là. Hein. Oh là là, elle est laide.
Ah non, elle est horrible. Ah non, non, elle fait, c'est plus que peu. Non, vous inquiétez pas, la plus belle, elle est ici. Hein. Franchement, elle a dépassé l'astrosarcome. Ah oui, non, elle est. Elle est ignoble. En plus, je viens de voir, elle a. J'ai pas tout peint son corps. Elle a. Jusqu'au bout, elle est laide. C'est vraiment. Mais elle est ignoble. Oh, mais t'as vu, en plus, elle ballotte. Hein. Ah bah, attends. Attends, non, ça, je la mets debout, regardez. C'est même plus du ballottement à ce point-là. C'est carrément, elle est partie en couille. Elle... Oh bah, de toute façon, elle meurt. Elle fait peur. Ah ouais, c'est pas pauvre wig, le plus beau, c'est la wig en fait. Mais le pire, c'est que hier, la wig, je l'avais mis un peu en pétard et tout, et... Elle a voulu se one try, ce moment-là. Bah, c'est Choco, en fait. Ah là, donc pour la... Oh, bon. Pour la prochaine... pour la prochaine vidéo de ma type Pim My Doll, bah... Voilà ce que vous aurez en Pim My Doll. Hein. Voilà, confiez-moi vos dolls, c'est ça que je vous sors, hein. C'est Pim My Doll. C'est, en fait, c'est patate, je lui ai pas dit, mais j'ai transformé. Ça fait quoi, la retrouve dans le jardin? Je sais pas où on va la mettre. Moi, ils me disent, mets-la dans la bibliothèque. Moi, je non, mais le problème, les gars, c'est que là, il faut faire un rituel anti-satanique parce que elle va nous porter la chkoumoune. Ah, c'est... Je sais pas. Mais mets-la loin, là-bas. Parce que sinon... Elle... Ouais, ouais, de... non, ouais, mais même elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas. Bon, voilà. Oh, fous-la par terre. Voilà. Celle-ci, c'est la vraie. Quand je même. Je sais bien que c'était pas le même cœur. Oh, même de loin, elle fait peur. Elle a un filet de bave en plus. Il a mis face contre terre, quoi. Genre. Tu voulais plus la voir. Oh, je vais la prendre à la rencontre, je vais la foutre dans un sac à cacao. Ah ouais, non, franchement. Il va croire qu'il est maudit. Tu vois les objets dans. Putain, ça s'appelle comment encore le truc de film d'horreur là? Conjuring, le truc qui est en dessous de la maison, c'est ça hein! Ah, oh, mais moi je la prends, je vais la mettre dans le sac hein, à quelqu'un. Ah non, mais moi je vous jure, si, ça si, fait un si, peu si, démoniaque. Si. Ah si, si, il faut la remballer. Oh, sûr. Il faut la donner à quelqu'un, c'est pas possible. Vas-y, petit, c'est pas ta. T'as acheté des têtes d'oreiller que toi aussi t'as coupé? Ah non, c'est Créa qui m'a donné un saut. Oh, ah mais c'est quoi ce que je pense? C'est pas la même chose que pas ça. Pas du tout la même chose. C'est différent quoi. Elle est trop rouge. Elle est mignonne. Elle est plus grosse que ce que je pensais. Ah bah oui. Ah tu vois son cul maintenant? Ouais parce que non en fait ouais, j'ai vu que son cul était large mais j'avais compris un centimètre, j'avais pas vu que c'était un centimètre sur une, on dirait Kit Kat son buste. Ah ouais. Ah c'est pour ça que j'ai fait juste une culotte en fait en soi parce qu'elle a un gros popote. Hein. Ah mais ça c'est plus mignon hein. C'est une offrande. Ouais je vais l'offrir à quelqu'un je crois parce que... Pas patate hein évidemment. Oh. Ça je crois pas mais... affreuse. Non c'est comment je l'appelle? Horrible. Je sais plus comment je l'appelle. Je suis sûre qu'elle est possédée cette doll. Ouais c'est possible. C'est creepy. Ouais creepy, horrible, affreuse. C'est quoi tu déballes ton colis ou on lui met une wig au minimum? On lui teste l'œil et là. Ouais vas-y attends je te donne le fil. Voilà. Où est le... Où est son... Alors, oh l'autre là-bas face contre terre elle me fait peur hein. On dirait qu'elle est là on dirait elle est trop chou. Elle est ouais. Regarde comme elle est trop chou comme elle se met avec sa petite Loupidoupidou. Ça c'est déjà plus mignon, c'est plus pipou comme vous dites que gardez avec... On dirait que c'est son petit bikini. C'est tellement enfin... truc que je... C'est son œil, ça, quand même. Oh, ouais. Elle a un œil, les gars. 5 cm. Ah, ouais, mais ça, ça va lui aller super bien. Il est trop beau, là. Oh là là là. Pour ceux qui veulent des yeux, faites-les faire chez Quoi Coco Rodol. Elle est trop bien. C'est vrai. Regardez son œil. Bon, je le tiens comme ça. Regardez comme il est beau. Oh, ça va tout de suite l'illuminer. Parce que l'œil bleu, il est pas moche, mais. Bah, elle aime pas. Mais ça. Voilà, celui-là, ça va bien. Pris pour tester. Ah, les roses, ouais, je crois que ça va bien aller. Hein, les baskets-là. Peut-être qu'il est un peu trop grand, mais au niveau de la largeur, ça devrait aller. Ah, là, oui. Ah, ouais. Je sais pas si c'est lui. Oh, quoique. J'ai une petite jupe, les gars, que j'avais trouvé. Enfin, ma grand-mère avait trouvé, je sais plus quoi, imagine sur un truc comme ça. Ouais, il y a un jupe. Ouais, mais je pense que ça va lui aller en fait. Ça va lui faire prendre. Bon, en plus, je lui ai fait une culotte blanche, donc on verra pas sa zézette. La dalle, c'est mochetée. Ah oui, voilà, mochetée, c'est ça. Ouais, elle est trop pipi. Ouais, patate, elle est trop mignonne. Je vais faire une petite pause à la vidéo, sinon mon tac. Pourquoi qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais. Ah, elle a pas le droit d'être. Voilà. Mignonne. Quoi, Yana? Regarde-le, comme elle est trop chouchou.
avec sa petite jupe et ses, ben, ses chaussures lui vont bien. Hein. Ah ouais, elles lui vont bien. Tu vois, il fallait bien ça, hein. Il fallait bien des plus larges. Hein. Avec son œil, il est trop incroyable. Bon, faites pas attention à la coupe, parce qu'il faut qu'on la rebrosse, qu'on on va la recoiffer et tout, ouais, parce que on a déjà galéré à lui mettre, la pauvre. Elle est pas trop mignonne. Pas trop chou. Elle est chou, mais pas cabri. C'est ça. Ouais, si on lui met des petits lacets noirs, je pense que ça pourrait casser un peu aussi. Ouais, ouais, mais c'était prévu, mais en fait, c'est juste que j'avais plus de rubans là-dedans. Ouais. C'est la chose que j'ai de moins, ça y est. Et ça, une fois qu'elle regarde, qu'elle sera bien brossée. Gary, ils sont 17 pour voir que les patates. Gordée. Elle est mignonne avec sa wig et son œil. Hein. Oh là là. Ah, ça change, hein. La pauvre, elle était chauve pendant une semaine. Hein, ouais, parce que franchement, c'est pas méchant, mais pour mettre une wig qui est au-delà des céréales complexes à l'intérieur. Oh non, c'est. Là, elle est trop mignonne. Gardez son œil comme il brille. Ça brille de mille feux. On a envie de regarder son œil tout le temps. Grave, il est hypnotisant. Oh. Vrai. Une petite patate toute mimi. Ah bah elle s'appelle Toudou. Elle va vous fracasser. N'oubliez pas qu'elle s'appelle Toudou. Toudou. C'est moi qui peux l'appeler patate. Ok. Toudou, Toudou. Ah le scam. Ne vous inquiétez pas, elle va ouvrir Choco. Oui, j'ai envie de l'ouvrir. Attends, elle va voir sa petite copine Choco. Vas-y, place-la sur la chaise ou quoi pour elle voit Choco. Où qu'on la met. Ah, oh, elle glisse. Le tissu là en dessous de son cul, non? Quoi qu'elle glisse. Ah. C'était ses cheveux qui la faisaient glisser. Voilà, oh. Patate, regard, Choco. Oh, oh, j'aime bien son œil. Elle hein. est trop beau. Ça flash, ça m'hypnotise. C'est tu du. C'est tu du. Bon, les gars, c'est parti, ASMR. Ah, bon, elle m'a dit. J'ai rien dit. Donc pas de ciseaux. Non, moi. Bon. J'ai pas attaché plus que ça et moi j'ai pas mis Astrosarco quoi dedans. C'est ça. Bah non parce que sinon. Je m'attendais franchement au début à Astrosarco. Hein. Ouais. Non, je l'ai pas récupéré. Ah mais je pensais franchement. Bah elle est pire. Hein. Ouais non mais. Regarde ça. Regarde l'eau, elle regarde le sol, elle me fait quoi. Mon petit ballon. Il va aller avec mes chemises. Ouais. Je vais l'accrocher à mes chemises. Bon. Tu veux que je te dise c'est quand même où l'endroit est à l'envers? Ouais. Là l'endroit c'est là où j'ai. Enfin j'ai. C'est là où il faut. Ouais. Bon. Je débat. Oh. Limited. Ouais. Pour la boîte, si tu veux, on la rajoute sur le temps. Oh. Alors du coup, pour la boîte, il est marqué Aimerait Design Limited. Ah, là au-dessus aussi il y a un. Rien, c'est seulement une brosse. Ouais. 18 mm. Comme ça on le sait. Allez, c'est parti. Bon, elle est encore emballée, il me semble. Hein. La petite boîte, j'aime trop. Faut écarter, ouais, voilà. Ah, oui. Elle ne veut pas sortir. Elle veut rester dedans. Oh my fucking god! Il y a la dose. Regarde, regardez ce qu'elle fait. Regardez ce qu'elle fait sur mon sol. Fallait s'en douter dans mes colis, les gars. Vous savez bien ce qu'il y a. Regardez mon sol. Je sais, moi qui l'ai mis. Trois tonnes de paillettes. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a mis des cerfs, des étoiles. Il faut qu'elle voit quelqu'un poser. Des flocons. Aïe, aïe, aïe. Je mets tout sur le côté. Alors, ça, c'est la boîte où il y avait sa wig. Oui, c'est ça. J'étais tout. Et donc, comme il y avait la marque dessus, je te l'ai. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait la petite boîte pour la wig. Ouais. Ça, c'est la pochette. La pochette de merde. Ouais, franchement, ça, par contre. Tu as le filet de la wig. Là. Je la prends comme un enfant. En plus, je sens ces pitous là. Ouais. Alors, ah oui, je vais montrer la carte et le certificat parce que sinon on va dire que j'achète des recasts. Alors que c'est pas une recast. Non, quand même. Ah hein. Oh ouais, mais non, mais attends, tu verrais le sol cristal, il est rempli de paillettes. Elle m'en a foutu partout. C'est pas fou. Du coup, le certificat. Avec la date et tout ça. Voilà, donc tout est fait à la main comme ça. Je sais que. Je ferai une photo de toute façon. Ouais. Je posterai en story, je dirais que c'est la. De toute façon, ça se voit. De toute façon, il n'y a pas eu de ricasse de la Aimerait. Attends, bah, elle je ne vois pas, je me recule. Ah bon, on ne voit pas. Voilà, on voit mieux. Attendez, je vais vous remontrer.
parce que j'ai pas envie qu'on vienne dire voilà, ça allait très bien. Hop, on le sait tous. Donc le certificat, il est là, d'authenticité. Et puis de toute façon, ça a été revendu par une revendeuse de bijoux déconnue, donc elle a voilà. Alors, tu m'as mis les Ice. Ah, j'aime bien les Ice. Ouais. Qualité, comme ça, c'est trop beau. Non, ils sont trop beaux. On va voir pour lui tester parce que là, elle emporte que la vendeuse avait oublié dans la tête en plus. Et du coup, on verra pour lui tester peut-être celui-là. Ah, ils sont on va voir. Ils sont pailletés. Je n'ai pas mis les rouges parce que les rouges n'allaient pas avec le projet, mais ceux-là. En attendant, parce que comme j'ai dit, je vais lui commander. Oh, regardez, c'est trop mignon. Ah oui, c'est chouette. Magical Girl. Mais oui, parce qu'elle a une petite tenue, vous allez voir. Enfin, vous l'avez déjà vue, mais voilà. Et puis après, il y a plein de confettis. On va la laisser dedans, hein, les confettis, parce que. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah. C'est une pochette de merde. Oui. Là, ça doit être la tête. Oui. Ouais, je crois. Est-ce qu'on la voit direct ou... Oui, oui, voilà. Enfin, je l'ai mis dans du papier bulle parce que je t'ai dit que c'était de la merde, la pochette. Ça ne protège absolument pas la doigt et en plus, ça pourrait tâcher, donc j'ai protégé. Ouais. Moi, j'ai préféré la protéger. Ouais, du coup, regardez la pochette. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça protège rien, c'est pas bien moussé, ça tâche. Elle est pas tenue dedans, elle flotte en fait finalement. Ouais, donc, y a même pas de petit ruban, chez l'indicate, t'as un ruban pour bien tenir ta poulpe ou quoi. Ouais, ça par contre ça a été mal fait hein, par la. Je peux pas reculer plus les gars. Hein. Ah, celle qui recule pas en fait. Moi il y a des choses à côté, moi elle recule je pas. Je glisse depuis tantôt, mais oh là des petits. Un petit. Ouais. Tout est relatif. Oh mon dieu, l'adorable. Par contre, la wig est dégueulasse. Ah, j'avoue, la wig, elle est pas. Elle est laide, hein. Pas fameuse. Oh, les petites mains, je les imaginais pas comme ça du tout. Attends, elle veut tester. Oh, ah, ouais, les mains, je les imaginais pas comme ça. Bah, en fait, sur la photo de la compagnie, elles paraissaient très grosses, très épaisses. Ah, non, elles sont mignonnes. En fait, elles sont toutes petites. Voilà, parce que c'est bleuché que ça fait moins pâté aussi. Il y a un peu plus de profondeur entre les articulations. Ouais. Oh, je voulais pas montrer, mon dieu. Coucou des cahiers. Gordeux, comme elle est trop choupi. Par contre, il faut vraiment qu'on vous montre la queue de chat. Oh mon dieu, oui. Bah, elle. Voilà. 33 ans, c'est mieux que ça. C'est en fait un fil qu'on peut acheter. Oh là. Azemar. C'est marsupilami le truc. T'achètes un paquet pour 50 centimes. Non, ça je vais pas lui laisser là. Non, c'est LCD. Hein. Je te l'ai laissé parce que ça venait de Bluetooth. Bah oui. LCD. Ça vient de Bluetooth quoi. Genre. Ah non, elle est magnifique. Je suis trop contente. Moi je lui ai remis ses yeux. Je l'ai frotté. Oh là là. Ah, j'ai trop hâte d'avoir ses cuissots et tout. La belle wig que j'ai vue pour elle. Oh, elle est trop mignonne. Je n'ai vu aucune trace autre que celle que j'ai retrouvée. Ouais, ouais, ouais. Tu peux regarder, mais franchement, il y a rien. Ça, c'est une poussière. Ouais, ouais, ça. Quand on a vu la poche. Oh là là. Je vais essayer de vous montrer avec la caméra. Ouais. Hop. Après, il y a des poches. Regardez. Elle est trop rose. On va lui tester les yeux roses. Ouais, et peut-être essayer ça. Ouais, on peut tester. Regardez. On va la remettre un peu en place hein, parce que là il y a son collier est parti en couille, son bandeau. Bah, c'est moi qui l'ai habillé, c'est pour ça. D'ailleurs, pour ceux qui viennent à la rencontre de Lien samedi, si vous avez des chaussures taille USD, elle dit pas non. Ah oui, 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 parce qu'elle a pas de chaussures. Alors elle est bleuchée un peu partout, je pense même qu'on verra. Ah, ouais, c'est ce qu'on voit pas avec les chaussettes. Oui. Enlevez-lui une petite chaussette. Et même au niveau des tétés. Oh, c'est trop chou. Par contre, elle a pas l'interface, elle a pas le sif. Je suis déçue. C'est trop mignon. Moi qui adore avoir le cul et le sif. Je la mettrai à côté d'une pulipe, mais c'est un peu petit, je dirais, qu'une pulipe. Enfin, les mêmes, elles sont 2 cm plus petites qu'une pulipe, je dirais, voilà. Environ. Attention que mes pulipes, elles sont grandes, elles sont sur talon, sur socle, tout le tralala. Mais alors... par rapport à Karine, elle a 2 cm de moi. Côté, comme elle est trop chouchou. Avec son. Je me suis demandé quoi. Mais oui! Allez, regarde-moi ça, regarde! Regarde ce qu'elle m'a fait! Je vois pas de quoi vous parlez! Regardez, il y a un cerf! Celle qui les a foutus par terre! Il y a un cerf qui saute dessus! Ah d'accord, je ne me rends pas compte. Si, en fait, elle est pas grande, hein, regardez! Non, non. Enfin, moi, j'adore cette taille-là! Elle est juste bien, je trouve! Oh! Ne viens pas souiller, ma choco! Elle craque un peu, quoi. Ah, mais j'aime en l'air. Ouais, non, elle est ignoble. Elle est trop.
Oh, bah merci Chacha, parce que c'est grâce à Chacha que je l'ai, parce que sinon... Alors, je me suis déplacée, j'étais là chercher, il y a eu des couilles et explique, tout. Explique, maintenant on peut, on s'en fout, alors, on l'a donc. Du coup, la audito... j'allais dire audito, c'est... Non, c'est... Cédric ? Non, la dame qui vendait les BGD, c'est comment encore ? Octarine. Octarine. Je sais pas pourquoi je dis toujours audito création, alors que c'est pas du tout, c'est ah oui, non, c'est des gros murs. En fait, du coup, Octarine, donc vous savez, c'était la revendeuse belge de BJD. Ben, malheureusement, elle a dû fermer sa boutique pour XY raison. Voilà, elle a dû fermer tout simplement. Donc, il lui restait vraiment que quelques BJD. Donc, j'ai été la chercher chez elle. Donc, j'ai fait une demi-heure pour aller la chercher. Et en fait, Mathilde devait la payer en 4 fois avec Vinted. N'est-ce pas, Mathilde ? Ouais, normalement. Normalement. Mais bon, elle a voulu la payer. J'étais chez la dame. Du coup, j'étais dans son salon en train de faire la.